C'est-à-dire qu'il y a une partie notable du capital qui ne veut plus être employeur, qui veut être rentier, tout simplement. Les propriétaires d'Uber, ce sont des rentiers. Ils ne s'emmerdent pas avec la fonction d'employeur parce que précisément à l'emploi sont liés une série de droits conquis dont les employeurs veulent s'exonérer pour être rentiers. Un propriétaire d'Uber, c'est un rentier qui touche une rente à chaque usage de l'outil dont il est propriétaire. Et donc, l'enjeu actuel pour le capital, c'est d'en finir avec l'emploi, hein, au sens où elle a été conquise comme poste de travail enrichi de trois types de droits, hein. Un salaire à la qualification, d'une part, avec une obligation pour l'employeur de respecter la qualification du poste de la convention collective, des cotisations sociales, avec l'obligation pour l'employeur de verser des cotisations liées à l'emploi, et des droits inscrits dans le code du travail en termes de conditions d'embauche, de licenciement, respect de la santé, horaire. Congés payés, en fait, etc. Et sur ces trois champs-là, le patronat n'a jamais accepté l'emploi. Jamais. L'emploi, c'est une conquête syndicale, au sens de enrichissement du poste de travail, de droit que doit respecter le propriétaire de l'entreprise. Et contre le salaire à la qualification, le patronat construit progressivement soit des salaires au SMIC ou en pourcentage du SMIC, c'est-à-dire dans lequel il y a une négation de toute qualification. Donc on est payé à 0,8 SMIC, à 1,2 SMIC, enfin bref, il n'y a plus de référence du tout à la qualification. Il construit des contrats de projet, des contrats de mission, c'est-à-dire du salaire à la tâche, le retour au salaire à la tâche, alors que le salaire au temps a été une conquête syndicale majeure. Bref, c'est la mise en cause de cette première dimension de l'emploi conquise, qu'est le salaire à la qualification du poste. La mise en cause de la cotisation, n'insistons pas, vous la connaissez, hein, elle a toujours été constante et depuis la fin des années 80, elle est pilonnée. Nous avons une entreprise contre la cotisation, absolument décisive, qui se traduit par des exonérations de cotisations patronales, par des remboursements de cotisations patronales jusqu'à 3,5 SMIC, c'est-à-dire sur la quasi-totalité des salaires. Et puis, la loi El Khomri, elle continue la mise en cause du code du travail en tant que tel, la troisième dimension. Quel est le projet patronal? Enfin, projet patronal, CFDT, hein, PS, Les Républicains, Front National, enfin voilà à peu près la conjoncture, disons, des réformateurs. Le projet n'est évidemment pas de nous inscrire dans une insécurité intenable, hein, l'insécurité de contrat de mission, d'embauche sur des postes de travail nus, hein, de retour au salaire à la tâche, et puis l'insécurité du travail indépendant où on cherche sur le marché des biens et services la validation sociale de notre activité. Cette insécurité-là n'est pas tenable et aucune classe dirigeante n'est assez folle pour organiser à ce point l'insécurité. Et donc, la loi travail est l'ensemble de tout ce qu'elle poursuit, hein, parce que la loi travail est un élément parmi tant d'autres, est porteuse d'une alternative, hein, en termes de sécurité. Et elle est double. Hein. C'est d'une part le revenu de base. Hein. Il est clair que le revenu de base, c'est maintenant un élément décisif du projet patronal. Pour compenser l'insécurité d'une valorisation, d'une validation sociale de notre activité comme travail, soit sur le marché des biens et services,
soit sur un marché du travail réduit à peu de choses en termes de droits, le patronat est tout prêt à nous filer 800 euros par mois. Ça ne lui pose pas de problème. Et ça renvoie tout à fait au mépris anthropologique dans lequel il nous tient. Le salaire à la qualification, il était construit contre le salaire comme prix de la force de travail. Le salaire comme prix de la force de travail, c'est au cœur, évidemment, du capitalisme. Et ça marque tout le mépris qu'une classe qui prétend avoir le monopole de la validation sociale de l'activité, le mépris dans lequel elle nous tient. Le prix de la force de travail, c'est de quoi satisfaire nos besoins. Et on va payer les gens pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins. Vous voyez quel mépris il y a à filer aux gens du pouvoir d'achat. Et c'est contre ce mépris que la classe ouvrière s'est organisée pour imposer le salaire à la qualification, précisément, et non pas aux besoins. Nous ne sommes pas des êtres de besoin, nous sommes les seuls producteurs de la valeur et nous devons être reconnus par un statut du producteur. Et le revenu de base, c'est le retour au prix de la force de travail. Allez, je te file 800 balles comme un chien. Le deuxième élément de sécurité que la CFDT, le MEDEF, le PS, les Républicains, l'UDI, j'en oublie, le Front National et de temps en temps les Verts, de temps en temps les Faux, ça dépend des coups, construisent, c'est des comptes personnels dans lesquels on accumule des points au fur et à mesure qu'on est performant et à la mesure de notre performance, soit sur le marché du travail, ça c'est la construction depuis 1992, à chaque accord national interprofessionnel, la CFDT sort de sa poche en cohérence avec le MEDEF, un compte nouveau, alors compte pénibilité, compte jour, compte formation, compte machin, compte truc... sur le modèle de ce que FO et le patronat avaient construit dans les années 50 contre la CGT, c'est-à-dire l'ARCO. L'ARCO, c'est-à-dire, non pas un droit à la retraite comme continuation du salaire, 75% du meilleur salaire à un âge politique, ça c'est la revendication constante anticapitaliste, le droit au salaire indépendamment de l'emploi, non, pas du tout, quelque chose qui est entièrement... qui nous asservit totalement au marché du travail, c'est-à-dire, chaque fois que j'ai un emploi, un bon emploi, ben j'ai des points sur un compte. Et c'est à la mesure de ma performance sur le marché du travail que j'ai des points retraite. Ça, c'est un dispositif totalement capitaliste, tel que Force ouvrière et le patronat ont pu le construire contre la CGT dans les années 50. Et c'est sur ce modèle que la CFDT, qui a succédé à FO comme interlocuteur patronal, construit des comptes. Et le projet du quinquennat à Hollande, c'est de réunir tous ces comptes en un seul, le compte personnel d'activité. Et la loi El Khomri, si vous y avez été attentif, prévoit d'étendre le CPA aux travailleurs indépendants. C'est ça la nouveauté. Nous avons maintenant un capital qui, encore une fois, est décidé à en finir avec l'emploi. Mais par l'infra-emploi, pas par l'au-delà de l'emploi, par l'infra-emploi. Décidé à en finir avec l'emploi, avec une trajectoire professionnelle qui sera faite d'alternance entre des moments où on est indépendant et des moments où on est en contrat de travail. Contrat de mission, contrat de projet, enfin salaire à la tâche. Et pour parer à l'insécurisation qu'introduit une telle trajectoire, hors revenu de base, inconditionnel, et des comptes. Et les travailleurs indépendants, d'après la loi El Khomri, si elle passe,
seraient eux aussi titulaires de comptes. Et chaque fois qu'ils font une performance sur le marché des biens et services, ils auraient des comptes, des comptes-retraite, des points chômage, qu'ils n'ont pas pour le moment, des points retraite, des points formation, des points congés, qu'ils n'ont pas pour le moment. Mais vous voyez que nous sommes à la mesure de la performance sur deux marchés dont le capital est absolument le maître, le marché des biens et services et le marché du travail. Dire que la loi El Khomri est une loi qui détruit, ce n'est pas suffisant, parce qu'encore une fois, ce sera source de déconvenues importantes. Vous voyez, là nous sommes vraiment dans la haine de classe dans tous ces projets. Nous n'avons pas droit à être reconnus politiquement comme les seuls maîtres de la valeur. Ces projets, d'ailleurs, ne disent rien sur la propriété, rien sur l'investissement. Le capital reste maître du jeu. Nous pourrons faire des jardins bio pendant que l'agrobusiness prospérera. Nous pourrons créer des chemins vicinaux sur lesquels il faudra qu'on pourra récupérer en utilisant les autoroutes, en fait, etc., etc. Encore une fois, ce projet-là est un projet qui nie entièrement, et c'est ça le fond du capitaliste, que nous sommes les souverains sur la valeur économique. Et c'est pour ça que j'ai tellement insisté sur la nécessité de construire un droit politique au salaire universel, avec les trois dimensions. Et je conclue, il ne s'agit pas de partir de rien, puisque nous avons déjà 12 millions de personnes en salaire à vie, les fonctionnaires et la moitié des retraités, il y a 15 millions de retraités, la moitié des retraités qui ont un salaire à vie, une pension proche de leur salaire. Et puis, nous avons déjà financé l'investissement par subvention et non pas par appel au marché des capitaux. On a créé un collège par jour entre 65 et 75 dans ce pays. Un collège par jour. On n'a pas fait appel au marché des capitaux. On a socialisé la valeur dans le trésor public et le trésor public a subventionné l'investissement. Quand on a créé les CHU, quand on a sanitarisé un appareil de soins qui était un mouroir, un effort énorme entre 60 et 75, qui est aujourd'hui remis en cause, aujourd'hui on retransforme en hospice qu'on va appeler EHPAD, hein, parce que c'est politiquement correct, des hospices qui avaient été transformés en hôpitaux locaux avec des lits actifs, on supprime tous les lits actifs, etc. Comment est-ce qu'on a pu faire cet énorme investissement sanitaire, pas par appel au marché des capitaux, en augmentant le taux de cotisation maladie, c'est-à-dire en socialisant comme salaire la subvention de l'investissement. Nous avons produit la santé avec des gens qui ont un salaire à vie, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient indépendants. Les libéraux de santé, c'est pour ça qu'ils sont tellement décriés, c'est une invention magistrale. On peut être travailleur indépendant, et avoir un salaire à vie. Là, il y a une preuve. Il suffit de comparer un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe. L'architecte qui s'installe, il va crever de faim pendant 15 ans. Le kiné, pas du tout, tout de suite. Il a une patientèle, parce qu'il y a une socialisation par le salaire de sa patientèle. Il est indépendant, mais il est en salaire à vie. Donc nous avons inventé, pour produire 10% du PIB, hein, de 200 milliards, j'exclus les 40 milliards de médicaments qui sont produits de façon capitaliste, mais donc sur les 240 milliards de la santé, nous avons 200 milliards, 10% du PIB, que nous produisons sous une forme totalement anticapitaliste, avec des gens qui sont payés à vie, et puis un investissement qui, en tout cas jusqu'il y a 20 ans, a été financé par de la subvention. C'est depuis que c'est plus financé par la subvention, d'ailleurs, depuis que les hôpitaux vont sur le marché des capitaux à travers la CADES inventée par Juppé, que les hôpitaux sont à genoux. Hein. Donc nous avons fait la preuve de la supériorité d'une production sans employeur,
sans capitaliste propriétaire, sans capitaliste prêteur. Ben, généralisons là.